Bonjour et bienvenue. La ville de Belley poursuit son soutien à la culture et vous propose son canapé festival. Bon spectacle! Bonsoir, professeur Braoult. Qu'est-ce que vous faites? Vous tombez bien, mon petit Robert. Je travaille sur une carte mentale, un schéma simple pour nos internautes, pour leur expliquer comment fonctionne le canapé festival. Démonstration. Des notes. Alors, mon petit Robert, vous prenez un canapé ici qui est censé représenter le canapé de nos internautes. OK? Jusqu'ici, ça va? Ça va très bien. Une liaison Internet, hein, fibre ou ADSL. Là, ça se complique. Vous prenez sept artistes, un différent chaque soir, dont Best of Lloyd qui nous fait l'honneur de commencer le festival ce soir. Une équipe technique de folie, une cellule sanitaire un peu déjantée, il faut le dire. Et attention, c'est là qu'il faut vous concentrer, Robert. Soyez attentif. On multiplie le tout par 300 000 spectateurs qui sont devant leur écran ce soir. J'ôte de ce chiffre ceux qui font autre chose, voilà, en regardant leur écran, hein, ceux qui sortent leur chien, ceux qui vont aux toilettes. Donc, on obtient la racine carrée de x plus 1. C'est très simple. Je n'ai rien compris. Faites pas d'efforts, Robert. Est-ce que vous avez au moins retenu qui se produit ce soir? Oui, c'est Best of Floyd. Très bien. Et je vais vous faire une démonstration. Je vous en prie, Robert, allez-y. Il y a 9 personnes. Ils font des guitares, ils font du tambour, ils font de la chanson. Ils sont filmés par une caméra. Ça part sur les téléphones, ça part sur les ordinateurs et les gens regardent dans leur canapé. C'est très simple. La semaine va être très longue. En tout cas, place à Best of Floyd. Thank you.
touch and all you see is all your life will ever be.
Bonsoir. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on est content. Qu'est-ce qu'on est content de se retrouver déjà dans une vraie salle de spectacle, ici à l'Intégrale à Belley, de nous retrouver, de vous retrouver, même si c'est par écran interposé. Ça fait un an et demi qu'on n'est pas remonté sur les planches, vous pensez. Donc allez, on partage à nouveau cette belle musique de Pink Floyd, avec en plus quelques nouveautés pour nous. On vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie. Tout de suite. Tell you the-
his heart weighs more than it ever did before. What has he done? God help my son. Hey, stay a while, I stay. We'll be right back.
Thank you.
they're not going to kill you. So if you give them a quick, short, sharp shock, they won't do it again. You get off lightly, because I would have given him a thrashing. Only it was. It was only a difference of opinion, but really, I mean, good manners don't cost nothing. Oh,
faites-vous habituellement dans votre canapé? Alors moi, habituellement dans mon canapé, je mange beaucoup. Et moi, dans mon canapé, en fait, je regarde très souvent un dessin animé avec ma fille de 7 ans. Voilà. J'ai pas de canapé. Je dors. Je regarde un concert de Pink Floyd. See you.
Perhaps you'd care to state exactly how you feel. We said goodbye before we've said hello. I hardly even like you, I shouldn't care at all. We met just 6 hours ago, the music was too loud.
on the turning away from the pain and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Oh, you found that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Earn away how the rains have grown, dreaming on by a heart of stone. We could find that you're all alone in the dream of the proud, on the wings of turning away from the weak and the weary. No more turning away from the coldness inside. Just a world that we all must share. It's not enough just to stand and stand. Is it only a dream that there'll be no more turning?
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, thank you.
Faites-moi une phrase avec le mot canapé et votre nom d'artiste. T'arrives à être créative là comme ça Oh, mais tout à fait Un nom d'artiste, t'as un nom d'artiste? Ah bah moi j'ai pas de nom d'artiste, ouais. Moi je m'appelle Marie, ouais. Tout simplement. Canapé et Marie donc. Et c'est ça. Renaud. Il y a peut-être un truc à faire rapidement avec une sorte de promotion canapé. Ah oui, on vient de rentrer dans le groupe. Bien sûr, on vient d'arriver, mais... on est des bleus tous les deux. Ouais, donc, tout à fait. Je pense qu'il y a une sorte de compétition peut-être entre nous deux déjà qui, déjà. Qui s'installe. Non, non, bah écoute, promotion canapé, donc, Renaud. Marie, Renaud, promotion canapé. C'est ça. De là, s'imaginer qu'il va se passer quelque chose. Non, sur ce canapé là tout de suite entre nous, non. Non, c'est ça. A priori, non. J'espère qu'on n'est pas là pour ça. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were to sleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. And if I go insane, please don't put your wires in my brain. Spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home. If I
quelqu'un va enfin vous parler en direct dans ce concert. Juste pour vous annoncer que dans le cadre du festival, du Canapé Festival, eh bien demain, vous pourrez retrouver Slash Bubble, qui est un dompteur de bulles, et vous pourrez le retrouver en direct à partir de 19h. Mais restez avec nous, ce n'est pas terminé. You will not understand.
Salut, ben moi c'est Seb. Salut, c'est Yves. Salut, c'est Renaud Laporte. Bertrand Lefebvre. Bonjour, je suis Noémie. Salut, c'est Yannick. Allô, je m'appelle Richie. Salut, c'est Marina. Bonjour, moi c'est Marie. Comment envisagez-vous votre sortie professionnelle du canapé ? Alors déjà, on est confortablement bien installé dans ce canapé. Ouais, ça va, canapé, hein. Ça va, on a bien envie d'y rester. Non, mais pour parler sérieusement, la sortie du canapé, à cause de cette Covid, c'est difficile de se projeter à long terme. Mais de toute façon, le groupe travaille d'arrache-pied pour préparer à court terme, on va dire, quelque chose qui risque de se projeter en été, notamment la clôture des estivales du château à Chambéry en juillet, le lundi 19 juillet, c'est si ça. Je ne m'abuse. C'est ça. Ouais, t'as vu, je retiens bien les dates. C'est bien. Et puis après, à long terme, eh bien, on espère repartir en tournée. Mmh. Alors, on ne pense pas que ce sera pour cette année 2021, mais plutôt une projection sur 2022. Donc, tout le monde travaille d'arrache-pied, techniciens, musiciens, production. Oui, Cézanne travaille beaucoup. Essayer de recaler les dates. Oui, parce que le problème, c'est qu'une tournée était prévue, mais comme tout se décale à cause de la Covid, eh bien, c'est difficile de retrouver des dates assez rapidement. Voilà, donc du coup, professionnellement, rien ne s'arrête. Et au contraire, ça nous a permis de travailler pas mal de choses nouvelles dans notre répertoire, du fait qu'on avait un peu plus de temps. Après, le problème, c'était de se voir, voilà, parce qu'on ne pouvait pas tous se rassembler quelquefois. Mais on y arrive, petit à petit. On y arrive, ça fait du bien, on y croit, et on va bientôt se retrouver en vrai. Hein, on espère. Qui aimeriez-vous inviter dans votre canapé ? Quelqu'un qui est vivante, mais je dirais la star dans ma vie, étant donné que je suis anglais, c'est quand même la reine Elisabeth. Donc j'aimerais bien boire un tasse de thé avec la reine Elisabeth au canapé. Alors là, c'est la grande question du jour. Peut-être, mon bassiste préféré. Très honoré. Il était sympa. Eh ben moi, en fait, j'ai deux petits-enfants qui viennent sans invitation sur mon canapé, qui viennent un à droite, un à gauche. C'est Maïwa, ma petite-fille, et Gaël, mon petit-fils. Et ça, c'est trop bien.
On voulait remercier d'abord toute l'équipe de l'Intégrale, une équipe de passionnés qui nous a accueillis de manière fantastique. Et oui, mérite tous nos applaudissements, notamment Stéphane Théris, sans qui on ne serait pas là. Et je voulais aussi citer notre ingénieur du son, Christian Alciato, qui s'est vraiment démené comme un beau diable aussi. Je crois qu'il mérite aussi nos applaudissements. Il y avait notre production Sisam aussi, bien sûr, sans qui c'est pas possible, et la ville de Belley. Et merci à tous de nous suivre, de nous avoir suivis, j'espère, jusqu'au bout. Et à très bientôt, on l'espère vraiment de tout cœur. À bientôt donc.